nous allons faire sur Don Front, c'est un travail qui permet de, je dirais, de remettre en dynamique ce très bel endroit, puisque on a la chance finalement d'être amené à travailler sur un joyau urbain et architectural avec cette cité médiévale qui est absolument, absolument magnifique et exceptionnelle, et sur laquelle il faut qu'on réussisse à trouver un certain nombre d'idées qui vont permettre de lui redonner plus de vie, plus d'attractivité, plus de liens avec son territoire et du coup vraiment un dynamisme plus important. Quelles sont les étapes de ce projet? Comment est-ce qu'on arrive à de telles conclusions? Alors l'idée, c'est de mettre en place tout d'abord une forme de dynamique partenariale et c'est la raison pour laquelle on est sur Don Front, on a réussi à mettre en place ces deux jours de séminaire à partir d'ateliers thématiques. On fait intervenir l'ensemble des acteurs locaux qui sont susceptibles de nous apporter de la matière pour travailler une première phase qui va être cette phase de diagnostic et de définition des enjeux, c'est-à-dire qu'on remet à plat un petit peu l'ensemble des atouts, l'ensemble des problématiques de Don Front pour pouvoir vraiment mettre sur la table ce qui est un peu en jeu sur ce territoire. Donc comment on va pouvoir derrière, finalement dans une deuxième étape, travailler à des propositions d'actions un peu concrètes sur la ville qui vont permettre de travailler sur cette question de la redynamisation de Don Front.